Ce crochet sera-t-il assez solide pour supporter des charges industrielles? La protection pour enfants de cette prise de courant fonctionnera-t-elle toujours après avoir été utilisée 5000 fois? Et ce sac poubelle, son plastique est-il assez solide? Aujourd'hui, tout fait l'objet de tests. Il vaut mieux tester l'efficacité et la viabilité des objets avant qu'il ne soit trop tard. On veut éviter un maximum le risque d'accident et de crise, quelle qu'elle soit. Dans le secteur bancaire, c'est la même chose. Si la crise financière a frappé le monde entier, c'est parce que les banques n'avaient pas été testées. On n'a pas su prévoir la crise des subprimes. Monsieur De Wolf, vous qui testez un peu de tout ici, comment vous y seriez-vous pris pour tester la robustesse des banques? Je pense qu'il faut le tester de façon répétitive et uniforme, de telle manière que ceux qui vont réaliser les essais, les tests, le fassent de façon tout à fait indépendante, identique, quel que soit le pays, quel que soit le secteur. Eh bien justement, les banques sont soumises à des stress de résistance, des stress tests. Explication avec Bruno Coleman, professeur de finance. Et le principe général, c'est d'abord celui d'une banque. Une banque reçoit des dépôts de la part des clients, mais doit aussi disposer de capitaux. Ces capitaux sont apportés par les actionnaires et servent de coussin, servent de matelas de sécurité pour absorber des chocs qui pourraient toucher une banque. Et en fait, faire un stress test, c'est en fait soumettre la banque à différents paramètres, différents chocs théoriques, pour s'assurer que ce coussin apporté par les actionnaires est suffisant pour absorber les chocs. Depuis la mise en place de l'Union bancaire en 2014, la Banque centrale européenne surveille les banques de la zone euro. Elle organise des stress tests pour évaluer la robustesse des banques dites systémiques. Qu'est-ce que ça veut dire systémique? Ça veut dire que si la banque sautait, ça aurait un impact sur le système financier global. Et donc ce sont des banques qui pourraient créer, malheureusement, si elles sautaient, un effet domino. On peut comparer ceci également au succès d'une course au relais. Je vous emmène dans une salle de sport pour mieux comprendre. Tels des sportifs, les banques se doivent de faire évaluer leurs capacités régulièrement. L'objectif de ces stress tests est d'éviter toute nouvelle crise financière systémique ébranlant tout le secteur bancaire. Deux scénarios sont envisagés. L'un en situation normale, avec une économie stable. L'autre plus noir, un scénario catastrophique. On parle d'abord d'une croissance qui chute, une croissance qui devient négative. On parle d'un contexte de déflation, c'est-à-dire de prix qui sont à la baisse. On parle essentiellement aussi de chômage, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas d'emploi et qui donc, si elles ont contracté un emprunt, ne sont pas capables de le rembourser. Mais on parle aussi, et c'est important, d'une chute des prix de l'immobilier. Plus d'une dizaine de milliers de données sont récoltées pour chaque banque analysée. La composition du capital des banques, les profits et les pertes, toutes ces données visent à définir la solvabilité d'une banque, et cela, surtout en cas de choc extérieur. Si une banque échoue au stress test, elle doit fournir dans les deux semaines un programme de recapitalisation détaillant comment elle compte combler son manque en capitaux propres. Et si une banque a un défaut de solvabilité, que ce soit par temps calme ou en cas de tempête, elle ne manquera pas d'être chahutée par les marchés. C'est pourquoi les résultats des stress tests sont toujours annoncés un dimanche quand les marchés sont fermés.